Bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct pour un événement autour de PostgreSQL. Et je vais vous parler, nous allons vous parler pendant quelques minutes de notre expérience de PostgreSQL Air France KLM et où nous en sommes et la suite du projet. Rapidement, je vais vous parler 3 minutes en introduction de ce que nous faisons et la démarche PostgreSQL. Je passerai la suite à Stéphane Tachoir, qui est mon DBA senior dans l'équipe, qui parlera plus en détail de l'implémentation de PostgreSQL chez nous à Air France KLM. Et on fera un petit zoom sur notre expérience de migration avec Caroline Devasson, qui travaille dans l'équipe de support développement chez nous. Et je reviendrai à la fin pour quelques messages. Voilà, donc qui sommes-nous? Vous voyez là, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou sur nos mails perso si vous avez des questions précises. Globalement, moi je suis responsable d'une équipe d'engineering à la production Air France KLM, avec une équipe Air France KLM. Stéphane Tachoir m'accompagne et mon expert DBA. Et Caroline est dans l'équipe support développement. Rapidement, très très rapidement, l'informatique Air France KLM, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. C'est une organisation groupe, mon équipe est à la fois Air France et KLM, avec une séparation de la partie développement, de la partie opération, de la partie système distribué et de la partie CI Office. Notre implémentation est aujourd'hui sur 6 data centers. Nous faisons un peu de cloud, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais nous sommes massivement sur de l'informatique privée. 6 data centers répartis sur 3 zones géographiques, que je ne cite pas ici, mais bon, qui sont a priori connues sur Internet. Les technologies principales sont diverses et variées. On a évidemment une informatique très ancienne, hein, donc on traîne encore un petit peu de mainframe, mais on fait énormément, nous en l'occurrence, sur les databases. Principalement du Linux, du Windows, ce n'est pas dans mon périmètre, mais on fait du Windows avec SQL Server, beaucoup de virtualisation avec VMware, Hyper-V dans le monde Windows, du SAP, de l'Oracle, du PostgreSQL, du MySQL, du DB2, du Teradata, de la Hadoop, du MongoDB, récemment du Redis, voilà, donc des technos diverses et variées. Côté chiffres, nous avons à peu près 2 700 serveurs physiques, 15 000 VM. Côté DB, autour de 350 serveurs physiques Air France KLM et autour de 3 300 VM, dont le gros est sur Postgre et MongoDB aujourd'hui, côté database. Et nous démarrons l'implémentation virtuelle sur Oracle aussi. Et on a autour de 8 pétas de données. Là, ce n'est pas uniquement les databases, c'est sur l'ensemble des technologies, autour des technologies SAN, vSAN ou HCI dans le monde Windows. Un zoom sur PostgreSQL Air France. Donc, c'est une stratégie qu'on a démarrée il y a plusieurs années, je reviens après depuis quand, pour réduire l'empreinte et la croissance autour d'Oracle et donc d'essayer de réduire nos coûts autour d'Oracle, comme le font la plupart des entreprises donc sur le monde SQL. Donc, c'est notre base de données relationnelle par défaut depuis 2016-2017 pour ce qu'on appelle les SLA normaux. Les SLA normaux, donc les SLA, c'est les Service Level Agreement chez nous. Donc on a 3 niveaux, hein, normal, sensible et critique. Le SLA dépendant en fait de l'impact sur le business critique. Le business critique chez nous étant les vols qui ne peuvent pas être opérés, la sécurité de nos vols et les ventes de nos billets d'avion. Et c'est une stack full open source avec un support d'Alibo sur lequel reviendra Stéphane un peu plus tard. Voilà, vous pouvez voir ici donc la courbe de croissance qui montre qu'on est en croissance permanente. Qui s'explique par le succès de la solution Postgre chez nous. Les grandes étapes du projet d'adoption, je reviens rapidement sur l'histoire. En 2006, en fait, on a eu une première approche open source à Air France au départ, hein, autour de MySQL. Donc l'idée était déjà donc de penser à réduire la croissance d'Oracle et le coût autour d'Oracle. Voilà. Donc on était parti sur MySQL, mais évidemment, il y a eu des événements historiques, hein, qui ont fait que Sun a racheté MySQL, mais surtout Oracle a racheté Sun. Nous avons un petit peu freiné dans notre démarche. Voilà. Du coup, depuis 2013-2014, on a d'abord initié une démarche commune, une démarche Air France Only, autour de Postgre comme alternative à Oracle. On a ensuite démarré rapidement en 2015 les premières implémentations de Postgre Air France, autour de Job Scheduler et de Capa for IT. Job Scheduler, donc le scheduler open source, hein, en alternative à des solutions. Autour donc de Job Scheduler, donc la solution alternative à chez nous à TWS ou à Control-M en tant que scheduler, et Capa for IT qui est notre outil de monitoring de performance de l'ensemble de nos plateformes.
2016, on a le programme LCMGRM chez nous qui concerne Oracle WebSphere et Linux, vers des migrations Oracle Tomcat Linux aussi, sur lequel on a démarré les premières migrations autour de Postgre et qui se continuent. Voilà, 2017, les premiers go live chez KLM, donc la démarche Air France KLM qui a été initiée, avec un ensemble donc, de choix communs et surtout une implémentation commune et surtout le fait que la solution Postgre devienne par défaut la solution pour les bases de données relationnelles à Air France puis à KLM. Depuis 2018, bon, on suit les versions de Postgre, Postgre 10, Postgre 11, Postgre 12, bientôt Postgre 13. On a retenu le choix d'un outil de monitoring de performance donc, qui s'appuie maintenant sur Data Sentinel, un produit français, sur lequel nous sommes très satisfaits. On est en support d'Alibo depuis plusieurs années maintenant, en support et en accompagnement. Et on est en train de travailler sur de la disponibilité basée sur de la réplication ou de la containerisation. Et tout ça, c'est des études qu'on a en cours et sur lesquelles Stéphane reviendra peut-être un peu plus tard. Je vais passer la main maintenant à Stéphane, qui va vous donner un peu plus de détails. Donc, quand Patrick vous parle de PostgreSQL à Air France, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà plein de scripts bash. Ça veut dire quelques pages PHP, des exécutables et des packages, en fait, des RPM construits par nos soins, parce qu'on ne peut pas installer les choses par défaut, mais pas d'exécutables. Table dans BIM, on ne touche pas à libre, on touche pas, bref. Donc on compile nous-mêmes et ça nous permet de maîtriser ce qu'on livre, les versions, les outils, les extensions. On offre un audit et des logs de toutes les actions administratives dans un référentiel maison, qui est aussi notre CMDB. De l'alerting avec Centréon, qui alerte directement le premier niveau, qui est disponible 24/7, machin, tout ça, pour régler tous les problèmes. On offre des sauvegardes qui sont vérifiées, point in time et vérifiées, j'insiste. Une administration possible par un PG Admin 4 installé en serveur. Data Sentinel, Patrick en a parlé pour le monitoring des performances. On s'appuie pour une haute dispo sur VMware. La réplication, les machins sont pour une très haute dispo. Le provisioning se fait par un portail maison qui a été développé sur HPSA. Et on offre aussi les migrations Oracle avec Oracle OPG. Patrick. Non. Des scripts. Parce qu'on avait besoin de fiabiliser les procédures, d'être sûr que rien n'était oublié. Et puis décomplexifier certaines procédures en n'ayant plus qu'une seule commande. En bash. Pour deux raisons. D'abord parce que tout le monde connaissait dans l'équipe. Et ensuite parce qu'on s'appuie sur une bibliothèque maison qui permet de gérer les logs, les paramètres, les requêtes sur une base. Ils offrent des fonctions d'une bibliothèque bash, en fait. Tout ça est géré dans JIT et partagé avec KLM, ce qui fait qu'on a rigoureusement les mêmes installs. On embarque aussi checkpostgres.pl sur lequel s'appuie Centréon pour la supervision. Les pages en PHP affichent, se permettent de visualiser la liste des instances, des versions, des serveurs, des VM, ce genre de grosses listes difficiles à voir en commande en ligne. Et on s'appuie aussi sur tous ces scripts pour automatiser le packaging. Des versions, des outils, et compiler sur Red Hat 6, sur Red Hat 7, aller rechercher les exécutables, les
packagés, etc. Parce qu'on gère les versions de 9.4 à 12. Alors, une seule version, la dernière version mineure de chaque. Et donc, chaque nouvelle version, ça, c'est bien d'avoir automatisé les choses. Les sauvegardes sont faites sur TSM et initiées par JobScheduler, qui va lancer sur chaque instance localement le backup vers TSM. Les backups complets se font par sauvegarde du file system, donc PG start backup, sauvegarde du file system, PG stop backup. Et les walls se font par archivage du répertoire d'archive wall. Donc le JobScheduler lance un backup full par jour et un backup des walls toutes les 5 minutes. Les sauvegardes sont vérifiées en boucle. On a donc une machine dédiée qui, s'appuyant sur le référentiel, va prendre la dernière sauvegarde de chaque instance et va restaurer, faire un select étoile de toutes les tables et mettre à jour le statut de tout ça dans le référentiel. Et tous les jours, il y a un mail qui part avec l'état de toutes les sauvegardes et de toutes les du check. Pour l'administration, je l'ai dit, on s'appuie sur PGAdmin 4. J'ai choisi l'image Docker qui est lancée sur la même machine que la base, que l'instance même. Et pareil pour Data Sentinel. C'est un bastion, c'est des machines sécurisées, c'est des machines qui ont accès à toutes les autres, donc elles sont particulièrement choyées. Pour le référentiel, donc notre CMDB est plein de tables qui sont dans un schéma qui n'est accessible que localement. Et pour accéder aux données, on passe par un autre schéma qui porte des fonctions qui sont ouvertes donc, à l'extérieur. La haute dispo, c'est VMware qui fait une réplication au niveau disque des données, qui va gérer les bascules des machines d'un ESX ou d'un site à l'autre. Tout ça en toute transparence, bien sûr, puisque c'est lui qui gère aussi les autres. Le provisioning, donc, c'est HPSA. S'il s'appuie sur des scripts, sur les scripts standards dont j'ai parlé précédemment, ce qui nous permet d'être sûr que l'instance a été créée par une demande du portail ou sur une machine, on aura exactement la même instance et le même comportement. Ce portail HPSA est ouvert aux développeurs, à une population beaucoup plus large. Évidemment, est soumis à des contrôles des demandes et des validations des livraisons. Pour l'instant, on offre soit une VM dédiée avec une instance et pour les databases de l'application dedans, soit une database dans une instance mutualisée. Les LCM mineurs sont gérés localement. C'est un script qui va installer la dernière version mineure du serveur, va changer éventuellement les références dans nos fichiers et redémarre la base. C'est un processus qui se passe bien, c'est transparent pour l'application. Là, on arrive à peu près à tenir. On a plus de problèmes sur les migrations majeures qu'on avait prévues par dump, en s'appuyant sur le fait que la grande majorité de nos instances ne sont pas critiques, donc sont en horaire administratif. Et puis on s'est aperçu que, en fait, horaire administratif, quand c'était pas en horaire administratif, il y avait des batchs, des mises à jour, des imports de données, des extractions. Enfin bref, on ne pouvait pas arrêter les bases comme ça finalement.
On s'appuie donc sur on a mis au point une nouvelle procédure avec réplication. On s'appuie sur PG Logical pour les versions inférieures à 10. Et on espère avoir une meilleure adhésion des applications comme ça. Pour les migrations depuis Oracle, on a une machine dédiée avec Oracle PG. C'est un process qui est maintenant bien maîtrisé. On connaît Oracle PG bien. La migration de la base de données pose plus vraiment de problèmes. On a plus de difficultés avec les applications. Et ça, je vais laisser Caroline en parler. Ok. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme disait Patrick, je ne suis pas du tout Ops, je suis dev. Et donc, mon but, c'est d'aider les projets à faire leur démigration. La gestion de la dette technique, aujourd'hui, a toujours fait partie intégrante du développement informatique. Mon écran. Voilà. Cela se décline sur plusieurs axes, autant au niveau sécurité que niveau de maintien en conditions opérationnelles, obtention de support, baisse des coûts, possibilité d'avoir accès aux dernières évolutions technologiques. Aujourd'hui, j'enfonce une porte ouverte. L'évolution informatique s'accélère. Là où aujourd'hui on avait une version de Java qui était diffusée il y a quelques années, toutes les 1 à 2 années, depuis 2017 avec l'arrivée de Java 9, on a des publications de Java tous les 6 mois. Et au final, c'est afin d'accélérer cette migration et aider l'ensemble des développeurs de l'IT et AFKLM que nous avons créé le projet LCM. Et au sein de l'entité dans laquelle je fais partie, qui est l'entité support au développement du groupe AFKL. Pour définir notre roadmap, nous appuyons sur les préconisations de l'équipe de Patrick pour tout ce qui est base de données et de l'équipe Ops en général pour tout ce qui est serveur, version de Java à utiliser. Comme vous l'a expliqué Patrick, une des volontés, c'est de se séparer progressivement d'Oracle quand c'est possible. Et donc, nous avons intégré cette contrainte depuis 2017. Donc, nous, dès qu'on a créé le projet LCM-GRM, on a intégré ces contraintes. En plus de celles de l'upgrade aussi de version de Postgres. On n'oublie pas aussi de faire les upgrades de Postgres quand c'est possible. Dans notre contexte de migration applicatif, seules les applications dites de criticité normale ont été prises en compte. Comme l'expliquait Patrick, aujourd'hui on ne se concentre que sur ce type d'application. Au fur et à mesure de nos migrations, nous avons été capables de définir cet arbre de décision que vous avez à l'écran, qui tient compte autant des contraintes d'architecture projet que de l'existant applicatif, de l'utilisation de JDBC natif ou de spécificités du SGBD utilisé par l'application à l'instant T. En termes de retour d'expérience à proprement parler, aujourd'hui 20% de notre parc n'est pas concerné par la migration Oracle to PG. Du fait de sa criticité. Notre parc représente aujourd'hui plus de 1000 applications, dont les plus anciennes existent depuis plus de 20 ans. Alors, pas sous la forme initiale, elles ont subi des évolutions, mais elles ont quand même une partie de du corps de l'applicatif qui a 20 ans. Il faut garder en tête que notre priorité se situe sur les applications ayant la plus forte dette et donc qui sont rarement dans les standards de développement d'aujourd'hui, tels que l'utilisation d'Hibernate, qui nous a franchi des spécificités du langage propre à chaque SGBD. Parce que nous, on a vraiment rencontré des différences au niveau objet
entre du SQL lié à Oracle ou du SQL lié à Postgre. Donc voilà, aujourd'hui, on a trois contraintes fortes qui sont liées vraiment à l'âge de nos applications pour les plus vieilles, donc du SGBD natif, du JDBC natif, pardon. Et sans 1 à 5, ça vous donne à peu près une idée de la complexité. Aujourd'hui, toutes les applis que nous on a migrées ont un code de complexité inférieur ou égal à A3. On ne s'attaque pas au-dessus parce qu'on s'est rendu compte que déjà rien qu'avec une note A3 sur une très ancienne application, ça peut nous prendre jusqu'à 2 mois. Et c'est beaucoup trop. On ne peut pas arrêter une application pendant 2 mois au niveau métier. Le métier ne l'accepte pas. Lui, il veut une migration qui se fait... si ça peut être fait en une semaine, il serait preneur. Et le dernier point qui est complexe, c'est aussi le volume des bases de données. Aujourd'hui, ce sont des anciennes applications. Le ménage n'est pas toujours fait. Les purges n'ont pas toujours été mises en place. Ça, j'ai des personnes dans l'équipe tech et aussi avec l'aide de l'équipe de Patrick qui essayent de mettre en place des scripts de purge uniquement pour alléger une migration. En conclusion, la migration vers Postgres, c'est complexe à mettre en œuvre pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et ça se reflète avec le petit graphique que je vous ai mis. Dans une année, alors on ne va pas prendre le cas de 2018 qui était, on va dire, la vraie prise, même si c'est les migrations Oracle to PG, on les a démarrées depuis 2016, c'est vraiment en 2018 qu'on a commencé à prendre le problème à bras-le-corps. Et on va éliminer l'année 2020, qui est quand même une année pour nous qui est très très particulière. Si on se concentre donc sur une année nominale telle que l'année 2019, nous avons en moyenne migré 5 applications d'Oracle vers Postgre. Donc voilà, aujourd'hui on n'en fait pas autant qu'on voudrait, mais on a des contraintes de coût, de temps, et tout ça à cause des complexités de nos applications. Voilà, je te rends la parole, Patrick. Donc voilà, donc quelques messages pour conclure et après on aura la partie question. Pour rebondir sur ce qu'a dit Caroline, donc la difficulté qu'on a pour faire les migrations, c'est d'embarquer les métiers sur une migration technique. Souvent, le passage, par exemple, d'un Oracle à un Postgre n'apporte pas de valeur ajoutée au métier, du coup, ne met pas nécessairement les moyens en termes d'efforts de développement qui sont essentiellement beaucoup de tests à réaliser lorsqu'on fait les migrations. Voilà. Donc, il nous faut beaucoup de moyens par rapport à notre parc applicatif. PostgreSQL, c'est une base reconnue par défaut chez nous et très appréciée. Clairement, notre retour d'expérience est très bon depuis des années. Bonne stabilité, quasiment pas d'incidents et le niveau de performance est très bon. On veut aller plus loin et on veut avoir à gérer les applications critiques dans le futur. Les applications critiques, comme je le disais au début, c'est tout ce qui est autour donc, de l'opération des vols, la sécurité de nos vols et la vente de nos billets. Clairement, il nous faut aujourd'hui encore plus de ressources et de compétences et d'expérience interne pour pouvoir adresser le critique, hein, où une heure d'arrêt est clairement très vite visible en termes de coût et d'impact sur le coût. Donc pour l'instant, on écarte un peu le critique, mais on ne l'écarte pas définitivement. Notre retour d'expérience, c'est effectivement de se faire accompagner d'un support H24. C'est pas parce que Dalibo nous a invité que je le redis. C'est vraiment très important. On a un contexte opérationnel, même si on adresse que des applications normales et qu'on commence à faire du sensible. Nous sommes une compagnie aérienne, nous vivons en H24 et donc on a besoin de ce support H24 et que nos compétences sur Postgre restent encore limitées par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé sur des Oracle, hein, c'est clair, sur un logiciel comme Oracle où on avait beaucoup de monde. Autre point très important pour nous, c'est l'outil de monitoring des performances. On opère des databases. Le gros des incidents sur les databases sont principalement liés à la performance SQL, à la performance de la base de données. Voilà. Et donc, dès le début, on a reproduit avec Postgres ce que l'on avait sur un Oracle, c'est-à-dire d'avoir un outil du marché qui nous assure un très bon suivi de performance et qui nous permet d'identifier a posteriori des causes potentielles de ralentissement de performance sur les applications. Voilà. On a beaucoup de projets par la suite, du cloud évidemment, ça je ne vous le cache pas, des transformations de data center aussi, des transformations applicatives, des containers. 2020, c'est particulier dans le contexte aérien, pas que dans le contexte aérien, mais
L'impact est majeur pour le contexte aérien. Nos moyens sont en énorme réduction depuis le mois de mars. Mais cela va donner lieu à des projets de transformation, clairement, qui vont nous obliger à rebondir et peut-être accélérer aussi certaines transformations. Et pour ça, on va se faire certainement aider de compagnies partenaires, d'entreprises partenaires, pour aller vers toutes ces transformations au sein d'Air France KLM et de notre IT Air France KLM. Voilà. Avant de passer la main aux questions-réponses, je te remercie donc Dalibo pour nous avoir fait donner la parole aujourd'hui. Donc la société de StreamTees qui organise l'événement vidéo, c'est une première pour nous de parler dans le vide, c'est un peu particulier. J'espère que ça ne s'est pas trop bien, mal passé. Et vraiment merci parce que ça nous permet de nous changer un petit peu notre quotidien actuel qui est quand même pas mal orienté budget, coût, identification de ressources à restreindre. Et c'est vrai que bon. C'est pas simple dans notre quotidien, dans le transport aérien actuellement. Voilà. À tout de suite pour les questions-réponses. On va maintenant passer aux questions. Et en préalable, je tiens à vous remercier pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant, avec des points de vue divers. Donc c'était vraiment bien. Et pour les questions, donc je vais commencer par celle-ci. Donc, votre objectif, c'est de réduire l'empreinte d'Oracle dans votre IT. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Est-ce que vous avez un objectif à ce niveau? Je peux répondre. Oui, c'est un des objectifs avoués, c'est clair, de réduire l'empreinte d'Oracle. C'est difficile. On n'a pas de projet de phase-out d'Oracle chez nous, c'est clair. Pour deux raisons. Déjà, ça coûte très cher côté développement d'embarquer des centaines d'applications. Comme je disais, à un moment donné, c'est un peu vu comme de la tuyauterie, hein, le SGBD relationnel pour le métier. L'autre aspect, c'est que nous avons beaucoup de ce qu'on appelle les COTS chez nous, donc les applications, les logiciels, hein, les solutions sur étagère. Donc là-dessus, souvent, ce sont des solutions basées sur Oracle et sur lesquelles on n'a pas le choix du SGBD, hein, l'implémentation. Et donc, la difficulté, c'est d'estimer finalement, est-ce qu'on a vraiment beaucoup réduit l'empreinte Oracle ou pas? Ce que l'on peut voir, c'est qu'on fait peu de croissance, on fait quasiment plus. Donc, notre contrat de maintenance, il n'a pas évolué depuis 3 ans. Donc, ça, c'est un aspect positif. En parallèle, on n'a pas que Oracle OPG, on a aussi l'adoption de solutions alternatives à Oracle comme MongoDB, comme Redis, qui sont aussi des solutions qui permettent parfois d'alléger l'empreinte Oracle. Et donc, on n'a pas vraiment d'objectif actuel. Ça va peut-être arriver dans le cadre des projets de transformation qui arrivent, hein, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'objectif. On pense que globalement, on ne fait pas beaucoup de croissance avec Oracle et que Postgres, qui de toute façon est une solution par défaut pour toutes les nouvelles applications, nous permet d'y répondre. Ok, vous parliez de la haute dispo et de la très haute disponibilité. Quels sont Quelle solution est-ce que vous envisagez pour mettre en place la très haute disponibilité de vos applications critiques? Stéphane, je te laisse répondre. Oui, alors, la très haute dispo, on va la gérer avec Kubernetes. On est en train de finaliser en s'appuyant sur les outils de Crunchy Data, sur le conseil de Dalibo. Et on s'appuiera là-dessus. Maintenant, je ne sais pas trop quand, mais assez rapidement, on fera ça. Donc, sur une solution Patroni, du classique. Ok. Eh bien, on va terminer cette phase de questions-réponses. Encore merci pour votre présentation. Désolé pour le retard au public. La présentation suivante, ça va être la présentation sur image. Et donc, je vous propose de la retrouver dans quelques instants.